Alors, quand je fais mes petits réglages, je mets un nounours qui me ressemble, je m'assois à la même place que lui et normalement c'est bon. Mais normalement c'est bon. Je te faut pas dire à Shane que je prends un nounours à mon effigie et dans sa chambre. Salut, salut! Alors aujourd'hui je vais faire un haul, mais alors c'est vraiment un tout petit haul. Enfin, c'est un lookbook même. Enfin, vous verrez, c'est soit l'un soit l'autre. Et je vais essayer de vous faire des essayages, je vais essayer de vous mettre les vêtements portés s'ils me vont, parce que ça c'est pas sûr. Mais c'est vite fait, c'est juste trois petits articles que j'ai pris sur Shein et une robe que j'ai achetée en boutique. Voilà. Mais je voulais faire le déballage avec vous parce que ben, j'aime trop Shein et vous savez, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien, ça va. Je suis jamais déçue. Donc du coup, je vais déballer ce que j'avais commandé avec vous. Voilà, comme ça on découvre ensemble, pas de secret entre nous. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? En plus, je me souviens même plus ce que j'ai pris. Alors, ah oui. Alors, ah oui, c'est vrai que j'ai pris des choses. Alors déjà, j'ai pris la veste costard et je l'ai pris hyper longue. Je l'ai pris hyper longue parce que j'en voulais une super longue. Et ouais, franchement, elle est super longue, je suis contente. On me voit, ouais. Je suis contente, elle est super longue pour cacher mes fesses. Ouais, nickel. Bon, j'essaierai, je vous montrerai. Mais même la qualité, franchement, super quoi. Ouais, avec les manches retroussées. Et, est-ce qu'il y a des petites poches? Il me semble que j'ai... Oh, ça me chatouille, j'ai dit. Il me semble que j'ai vu des petites poches où j'ai rêvé. Non, j'ai rêvé. Bon. Mais en tout cas, elle a l'air nickel. Quelle taille j'ai pris? J'ai pris... Alors par contre, je l'ai pris... Je l'ai pris hyper grande parce que je voulais vraiment qu'elle soit longue et féloce. Donc j'ai pris un XL. Parce que moi je fais pas un XL. Hein. Non, je suis assez menue. C'est surtout le bas moi, qui dérange. Ensuite, j'ai pris... Normalement c'est un pantalon large. Alors j'ai pris un pantalon large et je l'ai pris taille haute. Alors par contre, celui-ci je l'ai pris dans les grandes tailles. Parce que je voulais vraiment qu'il soit large. Et à mon avis, il va être très... Oh ah ouais. On va le voir porter, hein. On va le voir porter ce qu'il donne. Alors en fait ce pantalon large, il est hyper large, regardez. Non mais le pantalon il fait la taille de mon corps quoi. Enfin de ma hauteur. Ah j'ai hâte de l'essayer en tout cas. J'ai quand même hâte de l'essayer parce que j'en voulais un vraiment très large. Et on va voir ce que ça va donner. Après si vraiment il est grand, il y a la ceinture au milieu. Mais quelle taille j'ai pris? C'est pas XL que j'ai pris. Normalement j'ai dit je vais prendre un XL. C'est pas noté. Ouais, j'ai dit je vais prendre un XL pour que... Ouais, si. C'est un XL. Bon, j'essaierai, on verra ce que ça donne. Article, troisième et dernier article de Shein. Pour le mettre ensemble. Parce que j'aime bien, j'aime bien comment ça fait. C'est tout simplement un kimono. Alors voilà, j'en ai des kimonos, mais j'en voulais un vraiment noir. Toujours du noir, toujours du noir, toujours du noir. Vous avez vu, j'ai pris que du noir encore. Mais que du noir. J'en ai marre de noir. Je vais mettre un défi. La prochaine commande, je prends aucun truc de noir. Aucun vêtement noir. Je crois que je vais mettre un défi. Bon, enfin, on va passer au kimono. Bon, heureusement qu'il y a des fleurs dessus. Et en fait, c'est un kimono comme ça. Et en fait, ce que je trouve super beau, c'est de mettre un pantalon ultra large avec un body ou un top près du corps et le kimono fermé par-dessus. Je trouve ça super beau sur les filles minces. On va voir ce que ça donne là dans le Troyon, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, on verra. On verra. Je n'ai pas fait d'essayage, mais vous allez voir ça en direct avec moi et je vous dirai si ça va ou pas. Voilà, et ensuite, dernier article que j'ai pris, je vous ai dit, ça va être super court, mais court et efficace. J'ai trouvé cette robe magnifique dans une boutique à côté de chez moi. C'est une boutique style... C'est un peu style vêtements du marché en fait. Les vêtements que vous trouvez au prix du marché, pas cher, c'est un peu le même style, vous voyez. Et elle a ouvert il n'y a pas longtemps. Et en fait, j'ai trouvé cette robe, elle était magnifique. Elle était cachée derrière d'autres robes. Et quand je l'ai pris, quand j'ai trouvé, ma maman, quand elle a vu, elle a dit, elle était magnifique, elle la voulait. Moi, je lui ai dit, le jour où je vais voir, je la prends. Si des fois, elle ne me plaît plus ou pas, je te la fais passer. Et il y avait une femme, elle était derrière moi. Elle regardait si je posais la robe. Elle m'a même dit, si vous ne la prenez pas, je la prends parce qu'elle est vraiment trop belle et tout. Je l'ai essayée, elle m'allait comme un gant. Je vais vous montrer, elle m'allait super bien. Enfin, super bien, je me lance des fleurs, mais bon, elle m'allait quoi. Et elle était qu'à 8 euros parce qu'il y avait un petit défaut. Mais bon, franchement, le défaut, c'est rien quoi. Voilà, déjà, je vous montre la robe. Après, je vous montre le petit défaut.
En fait, elle est comme ceci. Voilà. Elle est comme ceci. Regardez, elle est pas belle. Ça fait pas un petit peu les robes, vous savez, les chiquita, chiquita. Vous savez, les robes des mariages orientaux. Chiquita, je sais plus. Voilà. Mais ça fait ce style-là. Et le bas, il est comme ceci. Ça fait à la fois ça et à la fois... Ouais, mais elle est magnifique, on dirait une robe d'Aladdin. Je l'aime trop. Et en plus, elle n'est pas noire. Elle est trop belle. Et en fait, elle est à 8 euros parce qu'en fait, elle est un tout petit peu décousue ici. Voilà. Donc ça, je vais la recoudre. Et en fait, elle est à 8 euros à la place de... Je crois, elle est à 18 euros ou 20 euros. Et quand je l'ai vue, j'ai dit, je l'essaye, c'est obligé. Bon, je suis un petit peu serrée de la poitrine. Je vous l'avoue, mais ça me va pile, 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 pile. Vous allez voir là. Mais elle est magnifique avec le voile en bas. Et cette robe-là, alors le week-end prochain, je suis de mariage de Kelly, de la chaîne Kay. Je suis sa témoin. Et j'ai toujours pas trouvé de robe. Donc j'ai toujours pas trouvé de robe. Je me demande si je mets celle-ci ou pas. Je sais pas. Ou alors je vais voir en magasin. Je sais pas si ça fait. Je pense que ça fait pas assez habillé. Je sais pas, je verrai. Ou alors je vais mettre un. Je sais pas. Ouais. Faut que j'aille voir. Où j'allais faire des petits essayages parce que c'est vrai que cette robe elle est magnifique et là vu qu'on arrive en fin de saison je pense que je la mettrai plus. Donc voilà, il va falloir que j'en profite un petit peu, je verrai ça. Je verrai ça, de toute façon je vivrai dans les... je pense que bon, Kelly elle va filmer, elle va faire un vlog. Et moi si elle me donne autorisation je ferai aussi un vlog pour vous montrer, bah, finalement vous verrez comment je suis habillée. De toute façon. Voilà, donc ben, c'est tout. C'était les 4 articles que je voulais vous présenter en vidéo. Voilà, dites-moi ce que vous avez préféré, dites-moi si ça me va ou si ça me va pas du tout, si vous avez des conseils pour essayer de m'habiller, si ça va pas. Je suis preneuse, il y a des relookeuses là par là, je sais pas si on dit relookeuses, mais si vous êtes pas dans le coin, dites-moi comment je devrais m'habiller avec mes formes, ça me plairait. J'avais voulu faire... je sais comment je dois m'habiller, je sais. Mais quand moi je m'habille comme je sais, parce que j'ai tous les livres de relooking de Christina Cordula, machin, nanana, je les ai tous. Je les ai tous lis, je sais que ce qui me va, vu que j'ai la taille fine, c'est des choses trapèzes, etc. Mais le problème, c'est que moi, quand je m'habille comme ça, j'ai l'impression que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Alors je m'habille large, et quand je m'habille large, ben du coup, c'est pire. Parce que du coup, je fais encore plus large que je ne le suis. Voilà, bon, on va pas s'attarder parce que j'ai dit que la vidéo elle ne serait pas longue, donc je vais pas faire en sorte qu'elle soit longue. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits. Bet you're looking for something new.